Les images d'Olivier Courtois sont époustouflantes. Et l'expédition de 3 semaines ne l'était pas moins. En novembre dernier, le spéléologue part en Asie centrale avec une dizaine de professionnels comme lui à la découverte d'un glacier du Kirghizistan, l'Inilchek. Pourquoi le lac qui se forme l'été entre ces montagnes de 5 à 7 000 mètres d'altitude se vide-t-il tous les ans, en 48 heures, de ses 200 millions de mètres cubes d'eau ? Des eaux aspirées par le glacier, l'un des plus longs du monde, sans que personne ne sache expliquer ce phénomène. L'équipe a exploré les moulins, ces puits taillés dans le glacier par les eaux de fonte. On est descendu à 90 mètres en profondeur au maximum, mais on n'a pas réussi à atteindre le socle, en fait, la roche, et là où donc doit s'écouler l'eau, puisque tous les moulins étaient refermés. Le mystère du lac demeure donc entier.